Écoute, je sais pas si j'arrive à trouver un endroit pour Podgorica. Ça serait cool. Yes. I'm going to Budva. You go to Budva? Yes. Oh, you think it's possible to? Oh wow. Oui, vers là, s'il vous plaît. Voilà, hop. Ici, oui, très bien. Génial. Merci beaucoup. Tu connais l'adresse? Non, je sais pas où je vais dormir ce soir. En fait, chaque jour, je voyage, mais je sais pas où je vais dormir. Dormir où? Je sais pas. Oh. I don't know. Je cherche un endroit pour dormir. Et le lendemain matin? Le lendemain matin, j'irai à Kotor, c'est ça? Kotor? Oui. Kotor, et après j'irai vers la capitale, je pense. Podgorica. Oui, peut-être. Et après l'Albanie. En Albanie après. Peut-être allons à Kotor. Oui. Ouais, Kotor, pourquoi c'est pas mieux. Ouais, c'est mieux au moins, je peux... Ouais, ouais, ouais. À Kotor, il y a le... Comment dire... l'hôtel de... pour... les enfants. Ah, ok, ah oui. Outlaws. Waouh, génial. Bon bah et c'est... je suis invalide. Oui, j'ai compris, avec le siège. Okay. Et du coup, vous vous baladez comme ça. Casser le colonne vertébrale. Ah mince. Ah ouais. Ah mais c'est bien, avec ça, c'est super. Hein, c'est waouh. Et vous vivez au Monténégro? Je suis russe. Ah, russe? Oui, d'accord. Je suis russe. J'étudie le français à l'école. Ah ok, mais vous parlez bien. J'ai oublié tous les mots français. Non mais ça va, hein. On se comprend. Super. Bon ben, merci beaucoup. Hein. Encore merci. C'est un plaisir. Bonne chance. Merci beaucoup, au revoir. Oh mon dieu, c'est un truc de malade. Oh là là. Ok les gens, alors vous avez vu ce qui s'est passé quand même, c'est vraiment un truc de malade. En plus j'étais en train d'enregistrer une vidéo et là le gars il arrive et il me dit ah, tu es un backpackers, ouais bah allez monte et tout, je t'emmène. Je fais mais c'est incroyable. Et franchement le Monténégro là pour l'instant c'est ouf quoi. Du coup je suis à Kotor quoi, donc c'était l'objectif et c'était un truc de malade. Franchement ce soir c'était ouf, jamais j'aurais espéré ça. Et là regardez. Alors c'est magnifique parce que tout est dans la roche. Bon ça se voit pas trop mais ça monte jusqu'en haut. Voilà. Ça on le visitera demain évidemment. Et je rate mon GPS pour me rendre à l'auberge. J'ai trouvé une auberge pas chère, hein, 8 euros. Et du coup je me dis tiens c'est par où? Et en fait visiblement il faut passer par cette petite entrée. Donc bah écoutez on y va. Enfin on va dans cette petite entrée quoi. C'est ouf, c'est là la vieille ville quoi. C'est magnifique. Donc bienvenue à Kotor. C'est...
C'est ouf. Du coup, on visite en même temps. Bon, là, en été, ça s'est bondé, hein, visiblement, parce que c'est une ville assez touristique. Mais waouh, qu'est-ce que c'est joli, c'est impressionnant. Pas grand monde là, il y a vraiment personne. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. On visitera demain, je prendrai des photos et tout. Mais là, c'est vraiment. J'adore, franchement. J'adore Kotor. Voilà, je pense que ce sera le mot de la fin. Et demain, on ira à Podgorica. Voilà, on ira ici. Mais bon, on a le temps parce que franchement, je pense que j'ai bien apprécié cette ville. Hello les gens, voilà, nouvelle journée, nous sommes aujourd'hui le mardi 26 mars 2019 et je suis à Budva et je dois vous dire que c'est quand même assez sympa. Hein, Budva, bon là il fait pas très joli aujourd'hui, mais on est au bord de la mer. C'est, pour moi, c'est une ville qui a de l'avenir. C'est une ville qui va se développer d'ici les 10 prochaines années, c'est obligé. Ils construisent énormément, il y a énormément de constructions. Enfin, j'imagine qu'ils construisent pas mal en période de basse saison. Du coup, il y a plein de constructions, des hôtels, des choses comme ça. Je sens que ça va devenir d'ici quelques années. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Vous le verrez hein, dans cette vidéo, si j'ai raison ou pas. Mais d'ici quelques années, ça sera un petit peu le Monaco du Monténégro, vous voyez. Enfin, je pense, avec Kotor, mais qui est un peu plus typique, Kotor, je trouve, que Budva. Budva, c'est un peu plus, on se passe sur la plage, avec les cocktails et compagnie. Je préfère Kotor à Budva, mais j'aime beaucoup Budva aussi. Et franchement, c'est nickel. Donc là, j'ai dormi dans une chambre d'hôte hier soir. Je trouvais un truc pas cher, 9 €, chambre privée et tout. Enfin bref, vraiment top. C'était chez des Serbes qui sont venus s'installer à Budva, donc visiblement ils ont dû construire leur maison ici, vraiment en haut dans les hauteurs, hein, dans un quartier qui s'appelle Ladzi, qui est dans les hauteurs de Budva, toujours à Budva. Ils ont dû construire un truc là-bas et du coup ils parlaient très très peu anglais, enfin les parents, il y avait le fils qui parlait plus ou moins anglais, les parents alors pas du tout, sauf à la limite sa femme, petit peu Marquette, enfin voilà, ça allait pas plus loin quoi. Et du coup j'ai dormi là-bas et le matin ils m'ont dit ah, est-ce que vous voulez boire un café et tout, je comprends coffee. Bah ouais, pourquoi pas. Du coup c'était le café donc à la bosnienne, à la turque, hein, donc c'est-à-dire avec le marc de café au fond. Elle m'a donné du sucre, je me suis dit tiens je vais mettre du sucre, ça fait longtemps. D'habitude je mets pas de sucre dans mon café, et là j'ai mis du sucre, j'ai remué. Et en fait ça a remué le marc de café qui était au fond. Du coup j'ai eu des petits grains et tout, c'est pas très agréable ça en fait. Mais bon c'est pas grave, c'était bon. Et puis il y a le papa là, enfin, je sais pas, 65-70 ans hein, qui me ramène son eau de vie. Et puis il me sert un shot comme ça, il me fait voilà c'est bon et tout, ben, voilà, goûte ça, puis chin, tu vois, santé. Là je fais ah ouais, de bon matin, il était 9 h. Hein. Je fais bon, ok, j'ai pas envie de contrarier les gens, je bois. Du coup, mon petit shot d'eau de vie, il me dit ouais, c'est moi qui l'ai faite et tout dans le jardin. Je fais ouais, d'accord, mais voilà, donc bon, ça va. Ça et le café, voilà, j'ai fait un petit mélange assez original. Et ensuite, je suis allé à la poste et c'était marrant parce que donc je suis allé poster des trucs pour ma famille, 2-3 petits cadeaux que j'avais entassés dans mon sac et puis bon, ma copine aussi. Et du coup, ce qui était marrant, c'est que à la poste, il y avait marqué, genre dans les guichets, il y avait marqué dépôt de colis, correspondance et tout, c'était marqué en français. Alors j'ai pas su pourquoi, bon les dames qui étaient au guichet étaient pas très fut-fut et je me suis dit bon si je leur pose la question elles vont pas savoir me répondre, enfin bref, savoir pourquoi c'est écrit en français. J'ai rempli le petit papier de douane et pareil c'est écrit en français aussi. J'ai halluciné, je me suis dit mais il y a une influence française, comment ça se fait que ce soit écrit en français, moi que ce soit les français qui aient amené la poste, j'en sais rien. En tout cas la poste elle est ouverte, attention accrochez-vous bien, de 7 h du matin à 20 h du soir, non-stop, 7-20 h. C'est hallucinant quoi. Je me dis, c'est ouf. En France, c'est pas du tout ça quoi. C'est fermé entre midi et 2, ça ouvre à 8 h 30, ça ferme à 16 h 30, 17 h. Enfin bref, dans la plupart des cas. Hein. Donc voilà, franchement, ça change énormément. Et le prix, alors attendez, les enveloppes, parce que j'ai dû prendre des enveloppes assez grandes pour mettre mes affaires. Je pensais que ça allait être dans un petit carton, mais non, pas du tout. Bon, les enveloppes, c'était assez cher.
c'était 1 euro. En fait, au début, elle m'a donné donc deux enveloppes, parce que j'envoyais une en France, une à ma copine. Et puis elle me fait, ouais, 2 euros. Et puis je lui dis, ah, mais ça va rentrer, parce que j'avais pris une sorte de petite cafetière et tout, et un petit chapeau, le fez. Et je lui dis, ça va rentrer, ça. Elle me fait, oui, 2,20 €. Je fais, d'accord. Pourquoi ça a changé tout d'un coup? Bon, bref, je paye ces 2,20 €. Et puis après, le colis pour la France, ça m'a coûté 9,90 €. Bon, ça restait pas si cher que ça. Bon. Et le colis pour. Donc, c'est pour Taïwan. Ça m'a coûté 5,10 €. What? Alors que c'est beaucoup plus loin. Mais non, en fait, visiblement, eux, le pays, ils s'en fichent un peu, c'est au poids. Voilà, plus c'est lourd, plus c'est cher. Bon, c'est normal. Mais la destination des 60 c'est compté quoi. Enfin bref, donc 5 € le colis pour Taïwan. Bah écoutez, je suis content moi. Voilà, donc 15 balles les deux colis. Donc franchement, au Télégros, c'est pas cher. Hein. Par rapport à la France, je sais pas combien j'aurais payé. Hein. Bah, déjà, j'avais payé à Taïwan, j'avais dû payer 25 € pour un colis. Bon, ok, c'était dans un. Il y avait un peu plus de choses, peut-être un peu plus lourd, mais bon, enfin 25 € c'est 5 fois le prix quoi. 5 fois plus qu'ici. Bref, nous on va continuer en direction de la côte, en direction de Bar, en direction de. Ou le Sié, je sais plus trop, la ville qui est vraiment à la frontière quasiment de l'Albanie. On va tenter de faire du stop, il est midi quasiment, il est midi moins 10. Donc on y va tranquillement, tout doucement, et puis voilà, moi je vous dis à tout à l'heure. Et quasiment, on est à 30 km de la frontière albanaise. Voilà, je sais pas comment on dit. Et j'ai été pris par deux voitures. Alors, une voiture qui m'a amené de Budva à Dobradove, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est après Bar, juste après Bar. C'était des Russes qui venaient en vacances, en fait, voyager au Monténégro. Des potes, enfin bref, c'était assez sympa, mais on n'a pas trop discuté, je sais pas pourquoi, j'ai un petit peu lancé la conversation au début, puis après, bon, ils ont parlé en russe entre eux, donc bon, j'ai pas pu vraiment sociabiliser. Et ensuite, j'ai été laissé au bord de la route, enfin avec des magasins et tout, mais bon, ça allait. Et au bout de, je dirais, peut-être 3 quarts d'heure, j'ai été pris par deux mecs, ceux qui conduisaient comme un malade. Quand même malade, il allait genre à 130 alors que c'était limite à 80. Il roulait genre tac 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 comme ça et tout. J'avais la frousse, je vous raconte pas. Mais bon, je n'osais pas lui dire ralenti. Enfin voilà, quoi. Je me suis dit, ça se trouve, il va me laisser au bord de la route. Et là, je serais bien embêté. Donc bon, ça allait, mais bon, il doublait quand même malade également. Enfin bref, je vais essayer de trouver un petit coin pour faire du stop. Je pense que je vais aller un peu plus haut parce que regardez, il n'y a pas grand chose. Hein. Vous voyez, la route elle mène jusqu'à là-bas. Donc on va tenter d'aller jusqu'à là-bas. Et puis normalement, là il est 4h de l'après-midi. Normalement, je pense que d'ici 5h, 5h30, je serai en Albanie. Alors je sais pas où en Albanie, mais j'y serai. Voilà, parce que là normalement il n'y a qu'une route pour. Enfin, normalement les gens vont en Albanie, là, à moins qu'ils s'arrêtent avant. Évidemment, la plupart des gens vont s'arrêter avant. Mais je trouverai quelqu'un pour m'amener en Albanie. Du coup, voilà, bon, on continue ce voyage. Et les gens me regardent de plus en plus. Hein. Et les gens conduisent de moins en moins bien, ça c'est clair. Donc on se rapproche un peu vers le chaos, quoi, j'aimerais dire. Non, je rigole. On se rapproche vers quelque chose de nouveau. Voilà, je vous tiens au courant et je vous dis à plus tard. Voilà, 6h-20 et nous sommes arrivés en Albanie. Ça fait un petit choc quand on rentre, quand on passe la frontière et tout. Déjà, on a galéré à la frontière. Enfin, en gros, il y a 3 mecs qui m'ont pris en autostop dans leur voiture. Ils avaient tous les 3 un âge différent, 20 ans, 33 ans et 43 ans. Et en fait, ils travaillaient en Monténégro, ils parlaient italien. Du coup, j'ai un petit peu parlé italien, c'était mieux que anglais parce qu'ils comprenaient pas trop. Sauf le jeune de 20 ans, il comprenait l'anglais. Du coup, ça allait et on a bien rigolé. Et puis, ils m'ont laissé donc dans une ville qui s'appelle Scooter, qui est à la frontière. Pas loin de la frontière du Monténégro. Et du coup, bon, j'y suis, donc on va un petit peu visiter. Et il faut que je trouve une chambre d'hôte pour ce soir ou une auberge de jeunesse.
et puis on verra bien ce qu'on fera. Mais en tout cas, c'est vrai que ça change un petit peu. Avant d'entrer dans la ville, ça fait un petit peu plus pauvre, on va dire, que le Monténégro, ça change. Mais moi, ça me déplaît pas. J'ai envie de découvrir cette ville. Du coup, bah, on continue. Hein.